Depuis la nuit des temps, chaque été, ces gestes se répètent quotidiennement de génération en génération. Chaque été, le gruyère exprime son goût et sa saveur par le savoir-faire des fromagers. C'est difficile pour une femme, concilier le ménage et la fabrication du fromage. Alors moi, j'ai pas trop de problème à concilier ménage et fabrication. Parce que je fais une chose après l'autre, et puis bien sûr, des fois je finis un peu plus tard le soir parce qu'il faut que. Moi j'aime bien quand je vais au lit, ça est propre. En bas, ça est rangé, alors c'est vrai que des fois. Mais non, mais j'ai pas de problème, autrement j'arrive à gérer. C'est un singe, ça. La montagne est accueillante aux touristes et s'est aussi révélée le savoir-faire de l'agriculteur, artisan fromager sur l'Alpe. Alors notre travail ce matin, on s'est levé, c'était 4h20, par là autour, 20-25, on était chercher les vaches. Alors ce matin à 4h20, c'était vraiment pas le beau temps. Il pleuvait, puis il y avait un immense brouillard. Alors on a eu du mal à aller chercher les vaches. Il nous a fallu plus qu'une heure pour aller les chercher. Charvet prépare une mutation. Les anciennes caves de la Cintre sont remplacées par un bâtiment moderne qui abrite plus de 6000 meules de gruyère et de vacherins à hausser. On a été pris en charge par la coopérative, si on veut. Nos fromages sont pris en charge. Donc ils sont soignés à la cave de la Cintre. Nous, on a parlé tout le souci des soins en fromage. C'est bien fait. Bon, c'est clair, le service, on le paye aussi, mais... Oui, parce que maintenant, vous aurez une nouvelle fromagerie. Voilà, on a une nouvelle fromagerie, mais je suis bien contente. Une nouvelle cave, là, c'est super, parce qu'avant, c'était plus aux normes. Mais c'est un outil de travail magnifique, hein. En plus, c'est neuf. Puis les gens qui y travaillent sont bien, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Non, mais moi j'aurais bien. Mon rêve c'était de faire plus de fromage. Faire du fromage? Ouais. Après j'ai envie de développer. Bien sûr, j'ai d'autres idées, mais je ne vais pas tout vous dire. Il est bon votre fromage? Il est bon votre fromage? Oui, il est bon. Ah ouais? Il se garde bien, il est bien pour la fondue, il est très bon. Un fromage se révèle par les soins délicats prodigués tout au long des nombreux mois de maturation. Aujourd'hui, cette chaudière est sous le regard d'un expert et conseiller particulièrement soucieux d'accompagner le fromager en quête du label de qualité la plus élevée. Ce conseiller s'est déplacé sur le lieu de fabrication. Nous sommes à 1700 mètres sur l'alpage. Chaque étape de fabrication est mesurée, analysée soigneusement. Pourquoi vous faites ça ? Pour apprécier la souplesse de la pâte et visuellement je vois également le compactage de celle-ci qui m'indique que le travail en chaudière a été fait dans des bonnes conditions. C'est le premier critère. C'est le premier critère, un critère visuel avant de passer aux analyses. À Quinzaine, le mercredi, c'est au tour du producteur de rendre visite à l'expert et c'est en général les femmes qui descendent de la montagne pour recevoir ses conseils personnalisés. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je viens au contrôle des présures. Mais c'est souvent que vous allez contrôler votre lait ? Toutes les deux semaines. Et quel est le but ? Voir si tout est en ordre, si... les matières grasses jouent, si les petits laits pour ressemencer la chaudière. Alors c'est un expert qui vient chaque quinzaine. Oui, c'est Jean-Pierre Rénier. Jean-Pierre Rénier. Et ce monsieur, donc, c'est lui qui vous conseille. Oui, et puis il vient aussi à notre chalet si jamais. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller à madame ? Alors, elle a déposé ses levains lactiques que je vais mettre sous le microscope
Et en fonction de la présentation au microscope, je pourrais lui dire si elle doit apporter quelques corrections, c'est-à-dire rapporter à Béate s'il faut corriger quelque chose au niveau de la préparation des levains lactiques. Ce qui veut dire que vous guidez les fromagers d'alpage. À distance. À distance. On peut dire ça. Mais vous les visitez aussi ? Oui. S'il y a un problème, vous allez jusqu'à les voir ? Même s'il n'y a pas de problème, je vais deux fois par année, dans la mesure du possible, je passe sur les sites pour leur rendre visite et faire quelques analyses sur place. Aujourd'hui, les cartes de la cintre sont particulièrement sollicitées car il faut transférer la production vers la nouvelle installation tout en gardant un œil attentif à l'affinage qui peut parfois causer un problème. Ces fromages peuvent vous poser un souci. Alors, ils peuvent nous poser un souci, et c'est là qu'on a une grande partie de la responsabilité par rapport à nos fromagers. On a un exemple juste ici. Ce fromage-là, on voit qu'il a la croûte un petit peu plus humide sur le talon. Et alors? Et ça peut venir de plusieurs paramètres, mais c'est très certainement un fromage qui aura eu un coup de froid sous presse. L'acidification du fromage, elle a été ralentie. À nouvelle cave, nouvelle technologie. C'est à un robot que la pénibilité du travail sera confiée. Les réglages se succèdent afin de programmer cette puissante machine à sa nouvelle tâche. On ne remplace pas l'homme qui, déchargé de ce travail, pourra consacrer son temps au suivi de ce long travail d'artisan. Chaque fromage conserve son identité malgré le robot. La maturité des arômes continue à se développer pendant 9 à 10 mois. Ces caves travaillent un produit à élever au rang de gruyère d'alpage AOC. Alors on est payé à la qualité, et donc si quelqu'un il fait de la mauvaise qualité, il a fait le même boulot qu'un qui a fait de la bonne qualité, et puis le boulot était le même, mais le salaire n'est plus le même. C'est un peu dommage, ouais. Donc le salaire est diminué. Mais le boulot a été le même, quelqu'un qui a eu une mauvaise qualité. Oui, mais le salaire est diminué. Tout à fait. Et vous le touchez quand, ce salaire ? Alors, plusieurs semaines après, plusieurs mois après la fabrication. Hein. Donc il faut crocher. En l'été, on n'a rien des fois, ouais. Mais jusqu'à cette année, parce que cette année, ils ont décidé, la coopérative, qu'ils nous versaient un acompte, qui c'est d'ailleurs très, très bienvenu, que là, on a déjà pu retirer des sous pour faire nos paiements, en fait, voilà. Logiquement. Hein. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à la banque pour c'est emprunter. C'est la première année qu'ils font ça, mais ça, je trouve ça très bien, alors. La coopérative nous en fait une avance sur tous les producteurs. Et on a déjà des sous, après, parce qu'on n'a rien de mai, il y en a qui ont rien de mai à septembre, ils ne touchent rien, quoi. Puis jusqu'à octobre, même après. Et vous avez des relations entre vous ? Vous parlez de vos soucis, de vos problèmes ? Vous vous rencontrez ? Alors, on se voit au cours d'alpage, au printemps. Cours théorie et pratique, il y a deux cours. Mais en fait, c'est plutôt bon enfant. Il n'y a personne qui se dit... On ne discute pas encore de nos problèmes, vu qu'on n'est pas encore dans la fabrication. Mais après, il y a le souper au mois d'novembre. Ça, j'aime bien. Avec les femmes et les hommes. Alors, il y a les femmes, les épouses, elles viennent. Et moi, je prends mon mari. C'est la seule qui fait autrement. Et puis, mais j'aime bien, moi je trouve qu'on peut se voir, on peut voir la tête des autres parce qu'on se voit pas souvent autrement.